AT-ST, sa première sortie documentée depuis son tir accident ayant coûté la vie de Alina Houchin, directrice sur la photographie sur le tournage du western Rust. Alec Baldwin est apparu avec ses enfants et son épouse Hilaria Hayward Thomas pour un repas dans une pizzeria située à New England Town, Massachusetts, États-Unis, dimanche dernier, comme l'apprend TMZ. Comme dans un article paru le jeudi 28 octobre 2021. Alec Baldwin, producteur sur le film Rust, a conservé sa longue barbe et ses cheveux qu'il avait laissés pousser pour les besoins du western. Il était tout habillé de noir. Samedi dernier, l'acteur américain de 63 ans avait été rejoint par sa famille au Nouveau-Mexique, là où a eu lieu la fusillade accidentelle et mortelle. Pour l'heure, Alec Baldwin s'accorde du temps loin des tournages et de Hollywood pour guérir de cet accident tragique qui a mené au décès de Alina Houchin. Les premiers mots de l'acteur étaient pour elle, « Il n'y a pas de mots pour exprimer mon choc et ma tristesse face à l'accident tragique qui a coûté la vie à Alina Houchin, une épouse, une mère et une collègue profondément admirée. Je coopère pleinement à l'enquête policière pour déterminer comment cette tragédie s'est produite et je suis en contact avec son mari, lui offrant mon soutien ainsi qu'à sa famille. » Hilaria Baldwin avait également tenu à rendre hommage à cette professionnelle talentueuse. Mon cœur est avec Alina. Son mari. Son fils. Leur famille et être cher. Il a été dit, il n'y a pas de mots parce qu'il est impossible d'exprimer le choc et le chagrin après un accident si tragique. Le cœur brisé, avait-elle indiqué sur les réseaux sociaux.